cette session, je demande d'accueillir, sous vos applaudissements, Morgane Cablan, qui est la CEO de Leja, qui nous vient directement de Nairobi, du Kenya. Je vous demande de l'applaudir. Monsieur Hassen Arfaoui, qui est un investisseur tunisien, qui est principal à 216 Capital Ventures. Asma Enaifer, qui est la directrice exécutive RSE de Orange Digital Center. Je vous demande d'applaudir. Et nous avons en ligne Mathias Leopoldi, le CEO et fondateur de Joulaya. Et je vous laisse entre les mains de Julie Lancré-Gurig, qui va modérer cette session. Merci. Merci beaucoup Samir. Bonjour à tous à nouveau. Très heureuse de vous accueillir pour cette session FinTech. Merci Asma de nous rejoindre. On est très heureuse d'avoir ce grand témoin avec Orange qui est là pour compléter ce beau panel sur la FinTech. Donc je vais déjà commencer par présenter nos panélistes. Donc on a Morgane Cablan. Enchantée Morgane et très heureuse de vous accueillir. Vous nous venez du Kenya où est basée votre start-up Leja. Leja, c'est donc une fintech 100% digitale qui adresse les micro-entreprises kenyanes et qui leur propose une solution de comptabilité simplifiée et unifiée. On a aussi avec nous Hassen Arfaoui, qui nous vient de Tunisie, donc 216 Capital Ventures, qui est donc un VC tunisien, qui a dans son portfolio notamment des fintechs, mais je ne vais pas en dire plus parce que je sais qu'on va en reparler tout à l'heure. Nous avons donc, vous le voyez avec nous en ligne, Mathias Leopoldi, fondateur de Joulaya, qui est présent à la fois au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal, qui propose donc des solutions, enfin qui se décrit comme une néobanque et qui propose des solutions aussi 100% digitales aux entreprises africaines. Voilà, et donc nous aurons tout à l'heure la chance d'accueillir également la vision de Orange et Asma Enaifer, qui est la directrice RSE du groupe. Et donc on va commencer sans plus attendre. La fintech, voilà, c'est un sujet qui passionne, l'un des secteurs les plus dynamiques sur les levées de start-up en Afrique. On a vraiment eu un boom ces 10 dernières années. On revient de loin. La fintech en Afrique, c'est le continent où il faut être là pour en parler. Pourquoi ? Parce que c'est 2/3 des transactions mondiales de mobile money qui ont lieu sur le continent. Rien que ça. Et comme je disais, on revient de loin, puisqu'il faut voir qu'en 2011, on était à 22% de bancarisation sur le continent. En 10 ans, on a fait un saut énorme, puisqu'on est aujourd'hui à plus de 50%. En grande partie donc grâce au mobile money. On a fêté l'année dernière les 15 ans de M-Pesa, c'est dire. Et donc, voilà, il reste quand même certaines ombres au tableau. Les zones rurales, on va en parler. Les femmes, on va en parler également. Et donc, c'est pour ça que nous accueillons aujourd'hui les spécialistes du terrain. Et je vais commencer tout de suite avec une partie sur l'inclusion. L'inclusion financière avec la fintech. Et je vais vous poser cette question, Morgane. Comment vos modèles d'affaires disruptifs facilite finalement l'accès aux services financiers. Je pense que l'un des plus gros enjeux des institutions financières africaines est le manque de données consolidées, surtout sur notre marché, les micro-entrepreneurs. Et donc même si ces micro-entrepreneurs représentent 80% du tissu économique africain, encore aujourd'hui, ils n'ont accès à aucune solution de financement. Non pas parce qu'ils ne sont pas solvables, mais simplement parce qu'ils n'ont pas les bons documents ou les bonnes données pour pouvoir justifier cette solvabilité. Et donc nous, quand on a développé Leja il y a 3 ans, on était déjà dans cette seconde phase de digitalisation où ces micro-entrepreneurs utilisent principalement le paiement mobile dans leur activité. Donc près de 80% de leurs transactions se passaient déjà sur M-Pesa. Mais le gros enjeu est que, puisqu'ils n'ont pas forcément les bons documents, ils ne peuvent pas accéder aux solutions des entreprises. Et donc utilisent leur compte de paiement mobile personnel pour leur activité commerciale. Et donc toutes leurs transactions professionnelles sont mélangées avec leurs transactions personnelles. Et donc encore une fois, ça leur empêchait de pouvoir justifier l'existence de leur business et donc leur solvabilité. Et donc c'est là où Leja est rentré en jeu. Donc on a développé une solution digitale, donc qui est un livre de compte très simple d'utilisation, qui leur permet pour la première fois de pouvoir consolider l'ensemble de leurs transactions commerciales, même si elles sont initiées dans leur compte de paiement mobile personnel. Et donc aussi les banques ont la possibilité de pouvoir accéder
à des transactions consolidées sur ces business et donc de pouvoir évaluer leur solvabilité sur leur vraie capacité de paiement et donc de proposer des solutions de financement adaptées. Merci beaucoup Morgane. Donc on voit dépasser le défi des documents, des preuves. Je me tourne vers vous Hassen. Quand on parle de défis, quels sont, vous, avec donc votre vision d'investisseur, quels sont aujourd'hui les défis véritablement de la fintech en Afrique ? Oui, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. En fait, c'est un privilège d'être ici parmi vous. Et je vous félicite pour l'organisation. Donc, pour moi, on en a parlé beaucoup avant ce panel. Donc, le premier défi, qui est le défi le plus important, en fait, c'est la diversité de la réglementation à travers les différentes juridictions, en fait. On trouve plusieurs réglementations, chaque pays développe sa propre réglementation, et ça nous mène à un problème d'interopérabilité entre les systèmes de paiement. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, en fait, c'est l'accès à l'information et l'accès aux données. Donc pour moi, les données, excusez ma voix, je suis un peu enrhumé. Donc l'accès aux données, c'est très important pour les startups pour développer d'autres produits additionnels, pour développer des algorithmes de credit scoring et pour développer d'autres services plus smart, si on peut dire, si on peut utiliser le terme. Un autre défi, c'est l'accès inégal à l'Internet et à la technologie dans certaines régions. Donc là, la start-up doit développer des solutions spécifiques à chaque pays avec sa propre infrastructure. Et le dernier défi, l'avant-dernier, c'est la gestion des compétences, en fait. On est en train de voir un phénomène de migration, en fait, et la fuite des compétences des pays africains. Et ceci constitue un problème pour les start-up, pas spécialement les fintechs, mais toutes les startups, pour recruter les bons profils et pour assurer la continuité par rapport à l'avantage compétitif qui est le capital efficiency pour les startups africaines. Et voilà. Merci beaucoup. Hassen, je vais me tourner à présent vers le digital, vers Mathias qui est en ligne avec nous depuis Abidjan. Donc on a parlé des différentes difficultés. Vous, quelles sont aujourd'hui les solutions technologiques qui sont au cœur de vos nouveaux apports à tout ce qui est inclusion financière? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Super. Merci pour l'invitation et désolé de ne pas pouvoir être présent avec vous pour des raisons de problèmes d'aéroport. Je rejoins un petit peu ce qui a été dit hein, sur la partie mobile money, c'est vraiment une révolution qui est propre au continent africain. Et comme vous le disiez, Julie, deux tiers des transactions mobile money mondiales ont lieu sur le continent. Donc c'est plus de 1 200 milliards de dollars de transactions. Et nous, ce qu'on voit, c'est que cette infrastructure que les télécoms, les opérateurs télécoms principalement, comme Orange, ont poussée sur tout le continent, aujourd'hui, elle permet des nouveaux use cases de digitalisation financière. Et donc nous, là où on se positionne, c'est qu'on va travailler avec ces infrastructures pour permettre aux entreprises de pouvoir digitaliser encore plus leurs espèces. Aujourd'hui, il y a encore plus de deux tiers des paiements business qui sont faits en cash. Donc, il faut pousser les dépôts des espèces dans des points, dans des réseaux de distribution mobile money. Il faut pousser les paiements en ligne, donc le paiement à distance, via les applications mobiles. Et donc, notre plateforme Julaya, on existe depuis 2018 et on va être, on peut dire néobanque, mais en tout cas, c'est faire le pont entre l'infrastructure télécom et l'infrastructure bancaire pour construire, comme le fait un peu Leja au Kenya, nous c'est dans la zone Afrique de l'Ouest, donc c'est construire la donnée transactionnelle pour pouvoir proposer des services financiers beaucoup plus aboutis, notamment les prêts trésorerie, etc. Merci beaucoup Mathias, on va rester avec vous, on a parlé des défis, on a parlé des solutions, j'aimerais qu'on passe à présent sur l'impact. Quel impact concret au sein des communautés apportées par la fintech? Et pour ça, j'aimerais vous poser la question tout simplement à vous. Quel impact vous observez aujourd'hui, vous, directement dans les communautés que vous adressez? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que le fait de digitaliser le cash permet d'impacter à plein de niveaux. Donc, premièrement, déjà au niveau de la sécurité, le mobile money a vraiment pris son essor
dans les zones où il y avait des problèmes d'insécurité. Donc aujourd'hui, vous avez une pénétration qui font que les gens n'ont plus peur de se déplacer avec de l'argent, et donc vous avez des transactions qui se font à travers le pays, à l'international, etc. Donc à ce niveau, c'est un impact significatif sur les populations. Maintenant, vous avez aussi sur la productivité. Nous, je donne un exemple. On va dire 2/3 de notre transaction, ça va être pour payer des salaires qui sont vers les personnes qui ne sont pas bancarisées. Donc, par exemple, dans la construction, dans la logistique, dans l'industrie, des ouvriers, des ouvrières. Et donc, avant, ces personnes-là faisaient le rang pendant 4 heures, 5 heures, parfois une journée entière pour recevoir leur salaire. Et aujourd'hui, elles le reçoivent instantanément sur leur portefeuille Orange Money, par exemple. Et donc, elles, en quelques minutes, 5 minutes, tous les salaires de l'entreprise, 1000 salariés, 5000 salariés sont payés. Donc, vous avez aussi un gain de productivité à ce niveau-là. Et enfin, je dirais, vous avez après des gains même au niveau macroéconomique, parce que en termes de productivité pour le pays, quand vous regardez aujourd'hui la part des paiements digitaux qui est en train de grimper de manière vertigineuse, vous avez des use cases pour toute l'économie digitale qui se crée grâce à la fintech, donc le e-commerce, qui avant était beaucoup sur du cash and delivery, maintenant en train de basculer sur des paiements en ligne. Ça permet de faire du prélèvement, ça permet, voilà, vous avez, toute l'économie digitale repose sur les paiements digitaux, il faut cette infrastructure. Merci beaucoup Mathias, je me tourne à présent vers vous Morgane. Même question finalement, comment vous avez adapté vos modèles pour servir les communautés rurales d'un côté et urbaines de l'autre? Oui, donc comme je l'ai expliqué, donc nous on travaille avec les micro-entrepreneurs. Donc pour nous les micro-entrepreneurs, c'est des individus qui ont une ou plusieurs activités commerciales qui est plus ou moins formalisée. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit sur le marché, c'est que toutes les solutions que l'on peut voir B2B ne sont absolument pas du tout adaptées aux réalités terrain de ces micro-entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à ces solutions, on va vous demander une preuve formelle d'enregistrement de votre activité, un compte bancaire ou encore un ordinateur pour pouvoir accéder à cette solution. Donc c'est tant de choses que nos utilisateurs n'ont pas. Donc en fait, nous, ce qu'on a fait, on a retiré toutes ces barrières d'entrée. Et donc, on propose une solution donc digitale qui peut être utilisée sur n'importe quel type de téléphone, donc smartphone et non smartphone, donc avec nos fonctionnalités USSD. On a besoin d'aucune compétence comptable ou technique pour pouvoir utiliser notre solution. Et aussi, elle peut être utilisée avec ou sans Internet. Donc, ce qui permet aussi à nos utilisateurs de pouvoir utiliser notre application, même dans les coins les plus reculés. Et la deuxième chose, un peu originale qu'on a faite avec Ledja, c'est qu'on a créé notre propre système de vérification de l'activité commerciale de nos utilisateurs. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous demander votre nom, votre numéro de téléphone, votre carte d'identité. Et ensuite, en fonction du type d'activité, on va avoir différents use cases. Donc par exemple, si vous êtes un petit commerçant, on vous demandera votre permis que vous devez payer à la ville pour avoir une place sur le marché. Ou encore votre numéro de vérification dans les applications VTC si vous êtes chauffeur de taxi. Donc c'est beaucoup plus flexible et adapté à tous les différents use cases qu'on peut retrouver. Et donc voilà, ça permet à nos utilisateurs de pouvoir accéder à notre application au moment de l'enregistrement. Et ensuite, à travers les transactions qu'ils vont faire sur notre plateforme, on est en mesure de pouvoir vérifier la véracité de ces business et leur solvabilité. Merci beaucoup. Et à présent, j'aimerais qu'on parle très concrètement pour tous les gens qui sont dans la salle aujourd'hui. Est-ce que Morgane, vous pourriez nous illustrer un petit peu ça avec une success story très concrète de votre société déjà dans l'inclusion financière? Alors oui, donc il faut savoir que donc, ça fait 3 ans qu'on existe et donc on a près de 100 000 utilisateurs sur notre plateforme. Et en fait, avec toutes ces données que nous avons consolidées sur la plateforme, on a créé notre propre modèle de crédit scoring qui nous a permis de faire un premier pilote très réussi. On a déployé près de 3 millions de dollars de microcrédit à près de 5 000 utilisateurs avec un taux de défaut de 3%. Et donc, à la suite de ce pilote, donc on a signé un partenariat avec une banque commerciale kenyane qui va pour la première fois proposer des services bancaires à nos utilisateurs.
Donc voilà, on est très excités pour ça, parce que c'est pour la première fois, ces micro-entrepreneurs vont être en mesure d'ouvrir un compte bancaire à travers notre plateforme, mais aussi d'accéder à des solutions de microcrédit spécialement dédiées à leur entreprise. Donc voilà. Et c'est vous qui rattrapez les banques finalement. Bravo. Même question à vous, Mathias. Une success story très concrète pour qu'on se rende compte vraiment de l'impact auprès de vos communautés. Donc, par exemple, au Sénégal, on travaille avec la société Casamances, qui distribue donc l'eau un peu partout dans toutes les régions du Sénégal. Donc, je pense que numéro 1 ou numéro 2 de l'eau, ça dépend des années. Et donc, avant, il y avait certaines régions où ils ne pouvaient pas bien distribuer l'eau parce que c'était compliqué de collecter en fait, ces espèces. Donc avec nous maintenant, ils peuvent collecter les espèces et atteindre des régions qui étaient mal équipées en eau de qualité. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on passe maintenant à la dernière partie de ce panel sur à la fois une vision, une perspective d'avenir pour la suite de la FinTech en Afrique. Et on va parler, tout à l'heure avec Hassan, on a parlé réglementation. Donc je reviens à nouveau vers vous, Morgane. En Afrique de l'Est concrètement, quelles ont été les différentes évolutions et comment ça vous affecte surtout de la réglementation ? Alors le cadre réglementaire a beaucoup évolué ces dernières années, mais beaucoup en faveur des fintech. Donc on a vu beaucoup de choses se passer pour favoriser l'innovation et principalement aussi la collaboration entre les banques et les fintechs. Donc par exemple, des acteurs comme nous qui sommes en mesure de proposer des services bancaires en faisant des partenariats avec des personnes qui ont les licences pour. Mais aussi d'un côté investisseur, donc avoir un cadre un peu plus défini a permis d'attirer des investisseurs étrangers et aussi d'attirer beaucoup plus de capitaux pour les fintech africaines. Mais en parallèle aussi, ça nous demande d'être en veille constante et d'avoir des business models qui doivent s'adapter en continu aux nouvelles réalités réglementaires et aussi aux coûts. Aux coûts de conformité qui n'ont pas toujours été envisagés. Donc voilà, donc je pense que c'est important que les fintechs fassent partie de ces processus de développement de cadres réglementaires pour que ça puisse toujours favoriser l'expérimentation de nouveaux business models comme les nôtres, mais en même temps d'avoir quelque chose de très clair et défini qui puisse protéger toutes les parties prenantes. Donc on voit en Afrique de l'Est, mais je pense que cette réglementation mouvante, on la retrouve en Afrique de l'Ouest et ailleurs sur le continent. Pour parler plutôt avenir et perspective maintenant, Hassan, vous êtes donc investisseur, vous avez des doctrines d'investissement. On sait que ça influe beaucoup sur, vous avez des choix dans les startups que vous investissez. Quelles sont les vôtres? Quelles sont vos doctrines? Et en quoi vous pensez que finalement ça influe et ça forge le marché de la fintech? Investisseur, ma préoccupation majeure serait en fait la capacité de la start-up à s'adapter aux défis qu'on a discutés précédemment. Donc, je dois voir une capacité d'adaptation à la réalité du marché. Et la start-up doit en fait développer une proposition de valeur claire, unique et parfaitement adaptée au marché. Deuxièmement, nous évaluons aussi la capacité en fait, à alterner entre le offline et l'online. Avec seulement 10% des transactions en Afrique qui se font en ligne, donc la start-up doit développer d'autres mécanismes de offline comme l'USSD et d'autres mécanismes. Elle doit aussi développer sa créativité en fait, pour développer d'autres go-to-market stratégies, porte-à-porte et tout ça. Donc voilà, nous sommes très optimistes par rapport au secteur finance. Donc on voit de plus en plus d'adaptabilité par rapport aux services financiers numériques. On voit une croissance dans l'inclusion financière. On voit aussi que les startups sont en train de réduire l'écart entre les services financiers et la population non bancarisée. Et donc d'ailleurs, selon une étude de McKinsey, donc, les revenus du secteur fintech en Afrique vont atteindre 250 milliards de dollars en 2025. C'est maintenant.
D'accord, donc vous avez dit que vous étiez relativement optimiste. Je me tourne vers vous, Mathias, je vais vous demander de sortir votre boule de cristal. Quelles sont, à vos yeux, les prochaines grandes tendances pour le marché de la fintech en Afrique ? On aimerait pouvoir ne pas se tromper, mais je pense que sur la fintech, c'est vraiment d'aller plus loin dans la sophistication des services financiers. Parce qu'aujourd'hui, les infrastructures de paiement commencent à vraiment arriver à maturité. Et donc, c'est première chose de pousser que les gouvernements poussent ce qu'on appelle les digital public infrastructure. Donc, comme on a vu sur d'autres marchés émergents en Inde avec UPI, au Brésil avec Pix, ça va permettre l'émergence vraiment de géants de la fintech. Si aujourd'hui vous avez, par exemple, la plus grosse fintech des pays émergents, c'est Nubank au Brésil, c'est grâce à ces infrastructures qu'elle a pu se déployer. Et donc, en Afrique, vous avez en Afrique subsaharienne ou même en Afrique du Nord, vous avez encore très peu de switch qui vous permettent d'arriver à ces niveaux de transactions. Donc, vous avez très peu de pays qui les ont mis en place, mais beaucoup de pays qui réfléchissent. Donc ça, c'est au niveau gouvernemental. Maintenant que c'est en train d'être poussé, vous avez des réflexions au niveau de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, par exemple, qui a présenté aux développeurs informatiques une version de son système d'interopérabilité. Et ça va vraiment être quelque chose qui va complètement changer au niveau de l'infrastructure. Mais au-delà de ça, c'est vraiment d'avoir de plus en plus de produits d'épargne, de crédit et de, je dirais, inclusion financière. Donc, ça peut aller jusqu'à l'assurance. Parce qu'aujourd'hui, c'est des modèles qui sont très peu développés. Il y a des opérateurs téléphoniques qui les poussent en partenariat avec des assurances ou avec des banques. Mais c'est vraiment la next frontier pour arriver à développer l'économie digitale. Une diversification des produits, donc. Merci beaucoup, Mathias. Avant de clôturer ce panel avec la vision du groupe Orange, une dernière question pour vous, Hassen. La même, finalement. En tant qu'investisseur, comment vous voyez les prochaines tendances sur le marché de la fintech en Afrique ? Justement, je vois qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont contribuer à la croissance de ce secteur. Donc, il y a aussi... au-delà de ce que j'ai dit, en fait, l'adaptabilité et la connectivité, il y a aussi l'intensification de la collaboration entre toutes les parties prenantes, en fait. On voit les startups discuter avec les gouvernements, on voit les startups discuter avec les régulateurs, et ça, c'est un point très important. En plus, on voit aussi le concept, c'est le leapfrogging technology, en fait. On voit des sauts technologiques. On voit des nouvelles technologies qui sont comme l'IA et le blockchain qui sont en train d'être utilisées par les startups, et ça va certainement forger les solutions et les modèles d'intelligence, les modèles de credit scoring et tout ça. Mais cependant, on est en train de voir une décélération dans les levées de fonds. Donc, le premier semestre de 2023, on a constaté une diminution de 21% par rapport à 2022. Mais je pense que ça va reprendre. Juste, c'est un contexte mondial, en fait. Les levées de fonds partout sont en décélération. Donc, ça peut... Merci Hassen. On va aussi remercier Mathias. Vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, Mathias de Julaya. Merci à vous. Merci Mathias, au revoir. Et on va donc clôturer ce panel avec la vision du groupe Orange qui nous tenait à cœur. Donc avec Asma Inaïfer qui est la directrice exécutive RSE et communication des Orange Digital Center. Donc Asma, je sais que vous avez une petite vidéo à nous passer, vous nous direz quand est-ce qu'on la met. Voilà, vous allez nous présenter la vision inclusion de votre groupe et surtout les Orange Digital Center. Merci Julie. Je voulais dire bravo à Mathias parce que Mathias est une success story des Orange Digital Center. Et franchement, c'est une excellente start-up qui a fait énormément de boulot sur le continent. Et d'ailleurs, elle fait partie du livre Orange Digital Champions 2023. Qui est un livre qui a été lancé cette année par Orange, et il est d'ailleurs dans les librairies, où on a mis en avant 7 startups africaines qui ont été accompagnées dans les Orange Digital Center, et dont Julaya, bien sûr, fait partie. Oui, félicitations à eux, et on va lancer donc la petite vidéo qui nous a été apportée par Orange. Moi, c'est Mina. Et à travers mon parcours à l'Orange Digital Center, je vais vous raconter d'incroyables histoires inspirantes.
Dans un monde où les rêves prennent vie, il nous appartient de bâtir notre avenir. Mamadou a changé sa vie en développant ses compétences à l'Orange Digital Center. Et aujourd'hui, il dirige fièrement une grande entreprise. Hamza, quant à lui, est devenu un véritable pro de la tech. Chaque jour, il l'impressionne par sa maîtrise. Cette jeune femme ambitieuse, c'est Salma. Elle a créé sa propre start-up qui emploie aujourd'hui des dizaines de personnes. Orange Digital Center est aussi dans les universités pour former des milliers de jeunes aux métiers de demain. Toi aussi, rejoins Orange Digital Center et construis ton avenir avec le numérique. 1 million de personnes ont bénéficié gratuitement des programmes de formation et d'accompagnement d'Orange Digital Center pour favoriser l'emploi des jeunes et soutenir les startups en Afrique et au Moyen-Orient. Orange. Merci. Donc, je vais juste dire quelques mots sur les Orange Digital Center. Donc, ce sont des centres physiques. Vous savez, Orange est présent dans 17 pays en Afrique et Moyen-Orient et 7 pays en Europe plus la France. Et nous avons déployé donc 17 Orange Digital Center sur la zone Afrique-Moyen-Orient. Et à ce jour, nous avons mis 1 million de bénéficiaires de ces centres-là. Mais aussi, nous sommes en Europe et en France. Et donc, on a un réseau de 25 Orange Digital Center sur les deux continents. Et je pense que ça, c'est la force de ce concept-là. Ce concept, en quoi il consiste? Nous sommes sur toute la chaîne de valeur, de la formation jusqu'à l'accélération et l'investissement dans la start-up. Donc, on est sur toute la chaîne de valeur. Et nous faisons bien sûr de l'incubation et des Fab Labs. Donc nous avons une école du code, un Fab Lab, un accélérateur de start-up et Orange Digital Venture qui est le fonds d'investissement du groupe Orange et qui est doté d'un capital, d'un budget de 50 millions d'euros pour l'Afrique. Et donc ce sont des centres qui sont totalement gratuits, ouverts à tous, où les jeunes viennent pour se former et nous accompagnons en même temps les start-up. Le vrai souci que nous avons aujourd'hui sur le continent, c'est que nous avons trop peu de start-up par rapport au continent. Et cette problématique-là fait qu'aujourd'hui, sur la stratégie Orange 2024 sur les Orange Digital Center, on va pour développer plus l'incubation, pour avoir plus dans le pipeline des start-up qui peuvent tenir sur la durée et pourquoi pas sortir des licornes africaines. C'est notre objectif en tout cas, sur différents secteurs, l'agriculture, la santé, l'environnement et l'énergie et le e-commerce. Et tout à l'heure on parlait de FinTech, Orange Money a 86 millions de clients, Orange Money, sur le continent et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour développer l'entrepreneuriat, on a besoin de plus de fintech. Et pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup les plateformes de e-commerce. Et pour cela, on a besoin des meilleurs, des plus influents et surtout des plus solvables et des plus qui tiennent sur la durée. Et donc, par rapport à ça, nous, au niveau de l'incubation, nous avons mis l'accent à partir de 2024, sur plus d'incubation, donc avec des mentorats spécialisés en expertise métier et innovation aussi, mais aussi accélérer plus de start-up et surtout donner la partie où les banques ne donnent pas, les organismes de crédit ne donnent pas, c'est le fonds d'amorçage. Et c'est comme ça que nous avons mis en place un partenariat avec Digital Africa pour cette première brique d'investissement qui est le fonds d'amorçage qui fait défaut sur notre continent, expressément sur notre continent. Voilà un peu les Orange Digital Center. Bravo. Merci. Merci beaucoup Asma. On peut applaudir Asma et le groupe Orange. Merci beaucoup à tous les panélistes. Vous pouvez vraiment applaudir Morgane Cablan, vous pouvez applaudir Hassan Arfaoui, à nouveau Asma et également Mathias Théopodi qui nous a quittés. Merci beaucoup, on va faire la petite photo de famille avant d'accueillir la plénière suivante sur les industries culturelles et créatives.